pareil sur celui qui fait tomber. Qui fait tomber. Non, 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 je vais faire autre chose. Voilà. On est là. Okay. Mon idée, c'est tout de suite en rasoir. D'accord ? Je peux pas rester 10 ans. Ok. Donc, d'ici, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais commencer à lui prendre la jambe. Lui, il va pas rester comme ça, il va se redresser, il va revenir. D'accord ? Je prends la jambe en premier. Vous avez vu, vu qu'il me contrôle une jambe, avec celle-ci qui est relativement libre, vous êtes d'accord ? Je vais aller chercher l'autre jambe. Et vu que là, pour l'instant, on est en train de travailler sur des coups de jambe, hop, je reviens à Shigarami. Comme on a vu pour ceux qui étaient là lundi, mardi. On va simplement, dans un premier temps, donc lui en général ici, il va se redresser ou autre. Voilà, je ne vais pas aller saisir. Je rappelle, ceux qui étaient hier ici, on pousse d'un côté et on tire de l'autre. D'accord ? Et je ramène sur le côté. Là, je vais juste passer de l'autre côté, un instant, garder correctement mon Ashigarami. Donc, pour l'instant, on est arrivé ici, il m'a fait tomber, boum, je m'en redresse immédiatement. Je m'en redresse immédiatement et je vais prendre sa jambe. Ok ? Là, je passe intérieur, moi je suis Garmi, je vais d'abord tomber, je switch, je referme correctement pour pouvoir arriver sur mon travail. Je pense à pousser avec celui-ci, à tirer avec l'autre. D'accord ? Premier temps, tout simple, je remonte. Ce qui va nous intéresser, souvenez-vous, anguille, on peut se mettre sur le dos, c'est pas trop trop problématique. En luta, on va souvent plutôt essayer d'être assis quand on combat, d'accord ? On peut se mettre sur le dos quand on a du grip, quand on n'a pas de grip, on va le faire. Donc, il est là, il me fait tomber, je tombe, boum, je me redresse immédiatement. Je mets une main pour pas qu'il revienne trop sur moi, je viens saisir la deuxième, d'accord ? Je passe à l'intérieur. Maintenant, j'ai du grip, d'accord ? Là, faut que j'ai un contrôle. Lui, pour lui, c'est chiant. Hein. Souvent, lui, ce qu'il va vouloir faire, c'est me descendre celle-ci. D'accord ? Donc, n'hésitez pas à quitter avec celle-ci. Ok ? Donc, là, je l'ai pris comme ça, mais je peux très bien l'avoir ici. Parce que lui, la plupart du temps, il va vouloir revenir sur moi. C'est assez rare qu'il accepte d'aller sur l'arrière. De là, c'est encore plus simple pour l'emmener. Je garde, je passe. On pense bien à réajuster. On réajuste souvent en contrôlant au niveau du jeu. D'accord ? Là, je repasse. Pensez, c'est comme une guillotine, je monte très haut ici, comme une guillotine. Je ferme mon coude, je pars sur le côté, et dégage. Ça va ? Ouais. Allez, on commence.